Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera sorokiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. Bismillahirrahmanirrahim. Téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez l'émission Ciel Nouveau. Le contenu de l'émission d'aujourd'hui portera sur les préjugés portés contre la communauté islamique Ahmadiyya. Nous allons développer quelques-uns de ces aspects avec nos invités, Mourabi Soro Alassane et M. Chérif Mamadou. Assalamu alaikum, soyez les bienvenus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On attend par les ondis qui disent qu'ils auraient pris par d'autres on dit que les Ahmadis font ceci, qu'ils font cela, soit au cours de leurs prières, soit dans les faits ou quand ils prononcent le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou simplement le nom du Messie promis alayhi salam. Ils le font à dessein ou ils le font par ignorance. En tout cas, nous allons le développer tout à l'heure. Mais bien avant, Molvi Saïf, quelle est la valeur des préjugés en islam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Préjuger quelqu'un en islam n'est pas permis. Parce que nous voyons dans les hadiths, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les musulmans doivent s'éloigner de qila wa qala. Ils ont dit, j'ai attendu, ou ça a été dit comme ça. Et c'est ce qu'on a attendu et ce qu'on a vu nous-mêmes n'est pas égal. Donc un musulman doit se baser toujours sur ce qu'il a vu, non ce qu'il a attendu. D'accord. Alors pour dire qu'ils ont attendu, moi je pense que ça sera mieux qu'ils s'approchent aux Ahmadis et les demander, nous avons entendu que vous faites ceci et cela et nous voulons savoir les réalités. Donc c'est basé sur les ondits. Je crois que la religion musulmane ne conseille pas ça. D'accord. Alors, M. Chérif Mamadou, on vient d'entendre ce que le Mourabi vient de dire. Oui. On dit souvent que les Ahmadis ne vont pas à la Mecque. Parce que quand les gens regardent une petite communauté, ils réalisent de grandes choses. D'où proviennent les sources de revenus? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Merci frère Djabi Saïb pour cette question. Le sujet il est intéressant parce que partout on attend que les Ahmadis font cela, les Ahmadis ne vont pas à la Mecque, les Ahmadis quand ils prient, ils jettent les pieds par derrière. Et parce qu'avec Molvi Saïb, nous allons rentrer dans les moindres détails. Et ce qu'il faut savoir est que il n'y a pas de communauté religieuse ou bien il est difficile de trouver une communauté religieuse au monde aujourd'hui. D'accord. Qui ne porte pas de préjugés. Même la communauté que nous la connaissons, les gens font aussi des préjugés sur cette communauté. Le problème, c'est de savoir comment ce que les gens disent sur vous, comment est-ce que vous gérez ces critiques. D'accord. Au sein de la communauté islamique Ahmadiyya, on a entendu dire beaucoup de choses. Même moi-même, avant d'être Ahmadi, j'ai attendu les Ouïdis. Ils ont dit beaucoup de choses à propos de la communauté qui découragent. Okay. Mais ce qu'il faut retenir est que les adversaires ils vont jamais cesser de porter des préjugés sur la communauté islamique Ahmadiyya. D'accord. Donc en fait, c'est pour décourager les gens à adhérer. Effectivement, vu le progrès qu'a réalisé la communauté, vu le nombre de personnes qui adhèrent par jour, quand on regarde les jalsas qui se réalisent dans les pays, c'est quoi, jalsa, à Londres. Les jalsas, ce sont des rencontres annuelles, des conventions annuelles. Chaque année, dans chaque pays, les Ahmadis se rencontrent à une date précise. Les enfants, les vieilles personnes, les jeunes, ils se rencontrent pour communier, pour échanger, pour traiter des sujets d'ordre religieux. D'accord. Mais d'où proviennent les sources de revenus?
Parce que c'est ça, ils attendent. Oui, je viens. D'accord. Vous savez, la communauté islamique Ahmadiyya est très organisée. D'accord. C'est pour cela que nos critiques sont très organisées. Au sein de la communauté, il y a ce qu'on appelle la contribution. La contribution, il y a plusieurs catégories de contribution. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la contribution mensuelle. À la fin de chaque mois qu'on appelle AM, à la fin de chaque mois, c'est une obligation pour chaque Ahmadi de payer le 1/16 de son revenu mensuel. Le 1/16. D'accord. Donc vous voulez dire que ces contributions-là, oui, en fait, qui servent à alimenter... Effectivement, ce sont ces contributions que nous prenons pour mener nos activités sur le terrain. Nous prenons cet argent pour faire de la prédication, pour produire de la littérature, pour envoyer les missionnaires dans les centres de formation, pour subvenir aux charges des missionnaires, les réunions, voyages, les missions, les coups d'âme, les rencontres, tout ce que nous faisons comme activité, tout provient de la cotisation mensuelle des membres. Maintenant, au sein de... J'ai parlé seulement que de la contribution âme. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle le wasia. D'accord. Le wasia, le premier niveau du wasia, c'est 1/10 du revenu mensuel. D'accord. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que si tu as une certaine somme, oui, tu divises ça en 10. En 10 et tu donnes une partie, d'accord, à la communauté comme le wasia. D'accord. Bon, je reviens à vous. Ok, d'accord. Mourabi Soro, pardonnez, il a dit quelque chose dessus, j'aimerais comprendre. Parce que ça fait partie encore des préjugés. Tout de suite, il a parlé de Jalsa et je lui ai demandé, il dit que c'est une réunion annuelle. C'est-à-dire qu'on le fait une seule fois dans l'année. Donc, est-ce que cela compense le fait d'aller à la Mecque pour certaines personnes? C'est quoi? Je prends à la Mecque, on y va aussi annuellement. Jalsa, vous organisez, c'est-à-dire la communauté organise la Jalsa une fois dans l'année. Est-ce que c'est une sorte de Mecque? Ça n'a rien à voir avec la Mecque. D'accord. Parce que le pèlerinage est obligatoire pour tout un chacun, pour quelqu'un qui a les moyens. D'accord. Alors, pour ne pas dire que non, Jalsa a été inventé pour remplacer le pèlerinage. D'accord. Là, nous ne disons pas ça. D'accord. Mais le Saint-Coran dit « Kounouma as-sadikin » Soyez avec ceux qui sont véridiques. Alors, si nous nous croisons pendant ces 3 jours de la Jalsa Salana, nous prions les prières de Tahajjud, les 5 prières quotidiennes, les prêches. Dans ces prêches, nous prêchons sur la religion. D'accord. Nous prêchons sur la paix. Il y a des différents thèmes. Les musulmans viennent, les Ahmadis viennent se regrouper et chacun repart avec des enseignements. D'accord. Chacun repart avec une moralité de la religion. D'accord. On enseigne la religion à tout le monde. D'accord. Pendant ces 3 jours. Donc ça ne remplace pas, pardonnez. Ça ne peut pas remplacer le fait d'aller à la Mecque. À la Mecque. Ça ne remplace pas en fait le pèlerinage à la Mecque. À la Mecque. Okay, mais... Parce que le pèlerinage est un commandement donné par Dieu dans le Saint-Coran. D'accord. Monsieur Chéri, s'il vous plaît, oui, je vais revenir. Effectivement, je vais revenir okay, d'accord. Je voulais ajouter un point sur la Jalsa. Ok, bon, allons-y. Ok, bon, allez-y. Ouais, mais Monsieur Jabi, regardez. D'accord. Revenons dans la vie pratique. D'accord. Une communauté qui décide, chaque année, on choisit une date pour se rencontrer, pour faire le point des activités. D'accord. Où est-ce qu'un mouvement, c'est là? Et on ne le fait pas avec quelques personnes. Nous invitons tous les fidèles, tous les membres, femmes comme enfants, d'accord, on se rencontre. D'accord. À la suite de cela, les organisations auxiliaires qui appartiennent à la région, telles que Humanity First, on en viendra, okay, et le Sadr Koudam, le président des jeunes, okay, la Sadr Lajinat, la présidente des femmes, okay. Toutes ces personnes-là, ils viennent, ils font aussi un discours où ils donnent des conseils aux filles, aux jeunes, aux membres, aux invités qui participent à la cérémonie. D'accord. C'est ce que nous faisons à nos Jalsa. D'accord. Nous nous rencontrons et au cours de ces rencontres-là, il y a, d'accord, des sujets intéressants qui sont traités. D'accord. Je suis un peu têtu dans mes questions. Oui. Je vais revenir encore sur le pèlerinage. Oui. Est-ce que les Ahmadis vont au pèlerinage à la Mecque? Oui, avant que Molvi ne rentre dans l'aspect religieux, oui, moi je vais vous répondre qu'à Abidjan, d'accord, nous avons beaucoup de pèlerins, ah bon, beaucoup d'Aladji et d'accord, beaucoup d'Aladji, d'accord, beaucoup d'Aladja à Abidjan. Ah, vous voyez. Cette année, d'accord, beaucoup d'Amadis sont allés à la Mecque. L'année passée, beaucoup d'Amadis sont allés à la Mecque. Femmes comme garçons sont partis. L'année prochaine aussi, il y aura des Amadis aussi qui vont partir à la Mecque. D'accord.
Mourabi, il vient de répondre, mais vous avez quelque chose à ajouter? C'est le non-Ahmadis qui fait ses préjugés. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. D'accord. Parce que nous voyons le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, radiallahu ta'ala anhu, d'accord, lui-même a fait pèlerinage. Alors, pourquoi dire que les Ahmadis ne vont pas à la Mecque pour le pèlerinage? Je trouve que c'est ridicule. C'est même pas quelque chose à parler, parce que nous voyons les Ahmadis chaque année qui vont à la Mecque pour faire le pèlerinage. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le Messie premier, alayhi salatu wassalam, n'a pas fait le pèlerinage. Pourtant, nous voyons que le Messie premier a été empêché pour faire le pèlerinage. Même quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même était empêché, il est venu, lui et ses compagnons, presque rentrer à la Mecque. On les a empêchés de venir faire le pèlerinage. Mais le saint prophète s'est retourné. Dieu dit, Hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. On veut faire le pèlerinage quand c'est facile de le faire. Quand on a les moyens, quand il n'y a pas de difficultés, quand notre vie n'est pas en danger, là on peut faire le pèlerinage. Mais vous appelez le Messie premier, alayhi salatu wassalam, qu'il est kafir, il est mécréant. S'il vient à la Mecque, tu t'imagines ce qui va se passer. Alors, pourquoi vous déclarez quelqu'un qui n'est pas musulman et vous l'appelez pour faire le pèlerinage? Donc, ça fait, c'est un peu ridicule ce qu'ils disent. D'accord. Donc, moi, je ne trouve pas ça que c'est une question qui est importante. D'accord. En parlant de tout ça, hein, tout à l'heure, quand vous avez prononcé le Messie promis, mon ami Alayhi Salam, pourquoi vous mettez le mot Alayhi Salam sur, c'est-à-dire dans la prononciation juste après le Messie promis Alayhi Salam? Oui, j'ai une fois entendu aussi ceux qui sont contre la Jamaat islamique Ahmadiyya pour dire. Pourquoi quand on dit Mirza Ghulam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, pourquoi on ajoute le mot alayhi salam? Ah, vous en avez entendu parler aussi? J'ai entendu parler. D'accord. Mais moi je trouve que c'est les gens qui ne cherchent pas à connaître un peu les enseignements de la religion. Nous trouvons pas seulement les Ahmadis, c'est les Shia. Quand on dit Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Mais selon eux, on doit seulement dire alayhi salam juste, seulement aux prophètes. Pourtant, ceux-là, ce ne sont pas des prophètes. Mm-hmm. Les chiites ne croient pas que ceux-là, ce sont des prophètes. Alors, même nous, je vous croise en tant que musulman, je dis salam alaykoum. C'est la même chose que la paix soit sur vous. D'accord. Même dans notre tashahhud, on dit assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous. Alors, quand on dit alayhi salam, Bissi premier alayhi salam, mais qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Moi, je ne trouve pas quelque chose qui est mauvais. Si moi, en tant qu'un simple croyant, on m'a dit alayhi salam, j'ai dit assalamu alayna, pourquoi le Messie premier alayhi salam, le réformateur de notre temps, pour dire alayhi salam, ça devient mauvais? Alors, moi, je ne trouve pas que c'est même pas sensible pour dire que le Messie premier alayhi salam, pourquoi on ajoute alayhi salam au nom de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam? Merci, c'est bien entendu. Monsieur Chérif, je vais revenir, je vais revenir sur la question de contribution. Oui, bon, avant qu'on arrive là, d'accord, il voulait clarifier un point. D'accord. Il voulait revenir sur la question du pèlerinage. D'accord. On en parlait. On dit que les Ahmadis ne font pas le pèlerinage. D'accord. Mais est-ce qu'on peut retourner au Pakistan? J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de conditions qui empêchent les Ahmadis de faire le pèlerinage au Pakistan? Effectivement. Mourabi, vous pouvez répondre à ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Sinon, les Ahmadis de chez nous, on fait le pèlerinage. Nous, on fait le pèlerinage. Nos parents vont à la Mecque. Est-ce que les Ahmadis du Pakistan peuvent faire le pèlerinage? Si oui, vous le dites. Sinon, vous nous le dites. Ce n'est pas comme les Ahmadis au Pakistan ne veulent pas faire le pèlerinage, mais les Ahmadis au Pakistan sont empêchés de ne pas faire le pèlerinage. Comment? Parce qu'il y a une loi qui est votée par le gouvernement pakistanais contre les Ahmadis. D'accord. Dans leur passeport, leur carte d'identité, c'est écrit Ahmadi ou Kadiani, je ne sais pas. Pour déclarer, et là, on est obligé de déclarer, tu es obligé, on t'oblige à déclarer que tu n'es pas musulman. D'accord. Alors les Ahmadis ne sont pas prêts à se déclarer qu'ils ne sont pas musulmans. D'accord. Et selon le gouvernement pakistanais, ils ont passé une loi qui condamne les Ahmadis de ne pas faire le pèlerinage. Ils ne peuvent même pas avoir le visa pour aller à la Mecque pour le pèlerinage. D'accord. Alors, ces actions, c'est le gouvernement pakistanais qui a empêché les Ahmadis. Ce n'est pas comme les Ahmadis ne peuvent pas faire le pèlerinage. Mais tout comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été empêché 1500 ans avant, aujourd'hui, les Ahmadis tombent dans les mêmes
dans les mêmes trous, ils sont aussi obligés par le gouvernement pakistanais de ne pas faire le pèlerinage. D'accord. Monsieur Chérif, je reviens encore sur la question de contribution. Oui. On nous dit que les Ahmadis, c'est-à-dire, on a nos guides religieux qui est basé à Londres. OK? Oui. OK, c'est Londres qui finance, c'est-à-dire les Anglais qui financent la communauté islamique Ahmadiyya. Vrai ou faux? Monsieur Jabi, je pense que chaque gouvernement a un budget bien voté. Bien sûr. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, ils n'ont qu'à faire des recherches, ils vont aller voir le budget annuel de l'État britannique. S'il y a une part qui est consacrée aux Ahmadis, ils verront nous le dire. Et ce ne sont que des préjugés. C'est pour ça qu'il disait que vous voyez, quand une petite communauté, une communauté qui est soudée, qui est dirigée par un calife, fait des efforts, vous voyez, la petite contribution que chacun apporte et qui est bien utilisée, on arrive à faire des miracles avec cet argent. Ah, d'accord. Vous donc, quand ils voient les miracles, l'exaction que nous menons sur le terrain, d'accord, ça les étonne. Ils se disent, mais comment une communauté, une minorité, comment une minorité puisse réaliser ses projets? Ah, ils ont un soutien quelque part, c'est ce qu'ils se disent. Pardonnez, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oui. Donc, en fait, vous avez parlé d'un système de contribution. Oui, comment ce système de contribution s'est fait exactement? Oui, c'est ce que je disais. Il disait, il y a le wasia, il y a le ham, c'est qu'on paye la contribution mensuelle qui est là. Et ce qui est encore plus intéressant, même les enfants payent la contribution. D'accord. On responsabilise les enfants. Dans chaque famille, les adfals, ce sont les enfants de 7 à 14 ans, ils payent aussi la contribution. Quand le mois finit, le père donne 25 francs ou 50 francs à l'enfant, va payer ta contribution. C'est un enseignement, c'est une éducation qu'on donne à l'enfant. D'accord. Si on veut aller plus loin sur le plan sociologique, je dirais qu'on apprend l'enfant à être un citoyen. On apprend la citoyenneté à l'enfant. On apprend à l'enfant, si tu grandis, tu dois payer l'impôt. D'accord. Si tu as une entreprise, tu dois payer l'impôt. Donc, c'est une bonne éducation qu'on donne à l'enfant. D'accord. Quelque part, on construit l'homme, on construit l'humain. D'accord. Donc, à part les alphas, il y a aussi les koudams. Les koudams qui sont de 15 à 40 ans. D'accord. C'est une obligation pour les koudams de payer. Non seulement on paye la contribution Jamat, c'est-à-dire la communauté a sa contribution, mais l'organisation des jeunes aussi, on a aussi notre carnet de contribution à part. D'accord. Donc on paye deux contributions à la fois. D'accord. On paye la première contribution qui est pour la Jamat, qui comporte plusieurs rubriques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la contribution des Koudam aussi comporte plusieurs rubriques aussi. Donc quand on se dit que... Ça, il y a des... Il y a des rumeurs qui disent que les Ahmadis, quand tu rentres dans la maille, on te donne de l'argent. Tout à fait. Tu deviens Ahmadi, qu'on te paye. Oui, moi, mais venez. Entrez, ils vont vous payer. Mais c'est le contraire. Quand tu rentres dans la maille, c'est plutôt toi qui payes. Effectivement. Les Ahmadis ne vivent pas de la maille, mais c'est la communauté islamique Ahmadi qui vit des membres. D'accord, c'est bien ça. Alors, Mourabi, qu'en est-il réellement? C'est-à-dire, est-ce que c'est par affinité que le siège de la communauté islamique Ahmadiyya se trouve à Londres, chez les Anglais? Comme l'a bien dit Kaïd, vous savez bien que l'Inde est colonisée par le Grande-Bretagne. Alors, il y a un temps qui est arrivé où le quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Rahimahullah, était obligé de quitter le Pakistan parce que le gouvernement pakistanais ne voulait plus voir le calife de la communauté islamique Ahmadiyya, qui a même passé les lois pour qu'on puisse arrêter le calife de la communauté islamique Ahmadiyya. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu vois la communauté progresse, le progrès de la communauté dépend de leur calife. Alors, si on arrête le calife, le met en prison, toutes les activités de la communauté vont s'arrêter. C'était l'effort qu'il a essayé. Alors, Dieu dit dans le Coran, « Alam takun ardullahi wasi'a fatuha jur fiha » La terre de Dieu est vaste, on peut immigrer comme nous voulons. Mm-hmm. Si nous sommes empêchés de pratiquer notre religion quelque part, on peut quitter la place et puis aller quelque part d'autre où on peut pratiquer notre religion. Mm-hmm. Voilà ce qui est arrivé. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah a quitté le Pakistan et allé s'installer en Angleterre où il était libre de pratiquer sa religion, de guider
la religion musulmane, communauté musulmane Ahmadiyya. Voilà les raisons pour que Tahir Ahmad Ali, Rahimahullah, a quitté le Pakistan. Mais quelles sont les bénédictions donc des gens qui contribuent? Qu'est-ce que le calife a dit concernant les gens qui contribuent? Vous savez très bien que dans la religion, quand on fait quelque chose, c'est pour l'amour de Dieu. Alors, ceux qui contribuent pour la communauté, ils savent quels bénéfices ils trouvent après leur contribution. J'ai eu à causer avec beaucoup de personnes. Ils disent qu'on peut leur donner n'importe quelle punition on veut, mais pour ne pas les empêcher de payer contribution. Laissez-moi toujours payer ma contribution parce que je sais pourquoi. Quand je paye la contribution, au fur et à mesure que j'augmente ma contribution, Dieu augmente ses bontés sur moi. Alors, essayons, ce n'est pas obligatoire, mais essayons de payer et voir est-ce que Dieu va nous délaisser. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui paye contribution. Il dit, je paye contribution et je regrette. Non, quand on paye la contribution, on est satisfait parce qu'on sait que Dieu va toujours remplacer ce que nous donnons. D'accord. Mais le calife s'est-il prononcé sur les faveurs divines concernant la contribution? Si M. Chérif a une réponse à cela. Oui, avant de venir à cette question, je voudrais dire, M. Diaby, voici une communauté où les gens sont motivés pour payer de l'argent. À la fin de chaque mois, tous les membres, le souci de tout un chacun, c'est de venir d'abord s'acquitter de sa contribution. Vous voyez, faites une remarque, vous n'allez jamais voir de fils à là dans la mosquée Amadi. Il n'y en a pas. Que ce soit en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, Bénin, Ghana, Grand-Bretagne, j'en passe. Vous n'allez jamais voir de fils à là. Dans la mosquée, dans nos mosquées, chaque avant la prière, les parents donnent des petits gobelets, voilà, comme les talibés. Ils sont devant les mosquées pour demander de l'argent, demander, assurer des personnes. Mmh. Et même dans la mosquée, quand tu arrives, au moment où tu es en train de faire des nawafil, les gens viennent passer devant toi en train de demander de l'argent. Vous n'allez jamais voir ces désordres-là dans la mosquée Amadi. Okay. Dans la mosquée Amadi, c'est de l'ordre. On vient pour prier et après la prière, chacun rentre chez lui à la maison. À la fin de chaque mois, on sait où le collecteur des fonds se trouve. On va dans son bureau, tu payes ta contribution, il te donne un reçu. Il y a un numéro sur le reçu. D'accord. Et tu gardes le reçu. D'accord. Et c'est le collecteur qui va verser le fonds. Très rapidement, par contre, ils disent que la communauté est très bien organisée. Oui. Comment? C'est organisé parce que, oui, d'abord, il y a l'ami. Ils disent tout, hein. Oui. Mais quand même, ils reconnaissent vraiment que la communauté est très Dieu bien merci, organisée. Au moins, ils ont reconnu ça. Oui. Vous voyez, on a le calife qui est en haut, qui est à Londres. Mais dans les pays, il y a des représentants du calife qu'on appelle les amis. Les amis qui sont dans les pays. Et dans le pays, l'ami aussi a mis en place, avec l'accord de Ouzou, du calife, des bureaux. Il y a la classe des Ansars. Les Ansars, ce sont des personnes âgées de 40 jusqu'à la mort. Il y a les femmes qui ont leur organisation, les jeunes ont leur organisation, les enfants ont leur organisation. Les petites filles ont aussi leur organisation. Il y a aussi le bureau national AMLA qui est là. Le bureau national, je vais comparer ça, ce sont les ministres. C'est le bureau exécutif, ce sont les ministres, c'est eux qui veillent sur les différents secrétariats, les actions qu'il y a à mener dans les pays. Chacun vient avec son programme, il propose son programme d'activité à l'ami Sahib. En fonction de ça, si c'est validé par Ouzou, on exécute le travail. Mais ce qui est intéressant, quelqu'un ne peut pas se lever, un individu ne peut pas se lever dans la Jamaat, prendre une initiative personnelle pour faire une action sans informer son supérieur. Le CAID, c'est le président des jeunes. D'accord. Sur le plan local, on appelle le CAID. Le CAID ne peut pas mener une activité sans informer le CAID régional. D'accord. Le CAID régional qui est le président régional des jeunes. D'accord. Le président régional des jeunes qui est le CAID ne peut pas mener une activité sans avoir l'accord du Sadra Koudam. D'accord. Le Sadra Koudam, c'est le président national des jeunes. D'accord. Le président national des jeunes ne peut pas prendre des initiatives sans l'accord de l'ami et l'ami rend les points à Ouzou. Vous voyez, d'accord, c'est une chaîne. Effectivement, tout est lié. Voilà, très, tout très est organisé. Structuré. Il n'y a pas de désordre. Effectivement. C'est ce qui fait la force de la Mandia. Nous sommes pris par le temps. D'accord. Et on espère qu'on va faire un deuxième volet concernant cette émission. Alhamdulillah. Concernant le sujet, en d'accord, fait. D'accord. Mourabi, vous pouvez nous dire un mot de fin concernant les préjugés. C'est pour dire quoi le Saint-Coran de Ichtanibou Kathira Minazon.
qu'on doit toujours s'acquitter des conjectures. Il n'a pas de zone d'ism. Toujours penser mauvais de la communauté islamique Ahmadiyya, je pense que ça ne doit pas être le comportement des musulmans. Ce n'est pas seulement la communauté musulmane Ahmadiyya, mais dans la vie normale, pas qu'on va avoir les préjugés contre les gens, contre les communautés. Demande les gens de cette communauté, ils vont t'expliquer leurs croyances et leurs croyances et ce qu'ils pensent de la chose eux-mêmes. C'est encore plus mieux. Monsieur Gérif. Oui, les préjugés, je dis, il y aura toujours des préjugés, mais c'est à nous les Amalis de faire un effort, de vivre selon les préceptes de l'islam, montrer le bon exemple aux personnes et inviter les gens à venir voir. Parce que quand tu es dehors, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Inviter nos amis, c'est ce que nous disons à tous nos fidèles, nos membres, invitez vos amis à nos conférences, à nos rencontres. Venez voir la beauté de l'islam. Venez voir ce qui se passe au sein de la Jamaat Islamique Ahmadiyya, l'organisation que nous avons mise en place. Et quand les gens viennent, ils sont séduits par ce que nous faisons et ils adhèrent. Vous voyez, des fois, nos détracteurs, ils envoient des personnes pour venir nous soupçonner ou venir nous poser des questions, voir s'il y a des failles. Mais quand ces personnes arrivent, et même ils tombent dans le trou, ils restent, ils ne veulent plus partir et ils deviennent Ahmadis. Donc, nous invitons tous les non-Ahmadis de ne pas écouter seulement que les préjugés, parce qu'on ne peut pas se baser sur les préjugés pour fonder une connaissance. Une connaissance, une viens à la source, une vérité. D'accord. Viens à la source, vois ce qui se passe pour avoir la lumière, pour merci. Être guidé et merci. Être orienté. Merci bien, c'est gentil à vous. Chers téléspectateurs, l'émission tire à sa fin. Les préjugés sont souvent des sources qui divisent une communauté, une nation. C'est des choses à éviter. Téléspectateurs, vous qui n'avez pas encore compris le message de l'imam Hadi alayhi salam, il est préférable que vous approchiez les missions pour pouvoir comprendre réellement ce qu'il en est des préjugés que vous avez entendus par les Ouidis. Et la chaîne des Ouidis, c'est très long. Nous allons achever l'émission. Je vous remercie d'avoir pris place sur ce plateau. Chers téléspectateurs, Jazakallah à vous aussi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ukel el khair el baraya ikramu kadanane. Shukr el khair el baraya ikramu kadanane. Anka alatan kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka. Ya sa ana hera soro kiyama shukere kaere baraya ikramu.